Je m'appelle Véronique Giovannini, je suis responsable du service consommateur et du service relations pro. Nous sommes situés en France et en particulier à Limoges. Alors pourquoi Limoges? Tout simplement parce que Limoges, c'est le cœur historique de Legrand. Nos conseillers doivent être polyvalents. Il faut avoir des connaissances en électrotechnique, des connaissances en électronique, de plus en plus de connaissances dans l'environnement informatique. Mais ça ne suffit pas. Il y a des compétences métiers, parce que pour pouvoir être efficace, rapide dans la réponse et dans le support qu'on apporte à nos clients, il y a un certain nombre d'outils à notre disposition. Et tous ces outils, il faut les manier vite, parce que quand le client nous appelle, il nous demande une chose, de répondre bien et si possible vite, surtout s'il est sur le chantier. Et puis, troisième pôle de compétences, c'est la compétence relation client. Être souriant toujours, être à l'écoute systématiquement. Donc ça demande énormément de compétences et un travail systématique d'apprentissage. Tous les jours, on fait des briefs, ce qu'on appelle 5, pour pouvoir échanger sur la journée de la veille, pour savoir si on a su répondre à tous les appels. L'intérêt d'être en équipe, c'est qu'on a des anciens, on a aussi les jeunes qui ont une soif d'apprendre, mais qui ont aussi des connaissances de manipulation informatique qu'ils vont donner aux autres camarades pour pouvoir enrichir leurs compétences. Donc on est vraiment dans un bouillon de compétences, un pôle de compétences qui s'enrichit de jour en jour par rapport aux expériences passées de chacun. On a des semaines types et on a des périodes, des demi-journées qui sont concentrés uniquement pour les écrits, pour les demandes des clients en écrit. Sinon, le reste du temps, on est au téléphone. Et donc, au téléphone, on est en appel entrant, donc en prendre les clients dès qu'ils appellent. Et entre des appels entrants, on regarde l'agenda et on se programme et on fait les rendez-vous téléphoniques. Le portefeuille technique de mon équipe, ce sont des professionnels. Donc, on les accompagne sur l'avant-vente, la pré-vente, par rapport à tous ces matériels bien spécifiques. Ce qu'attendent les professionnels, ils attendent qu'on réponde présent, qu'on soit efficace, qu'on les aide, surtout quand ils sont sur le chantier, mais qu'on les aide aussi dans la définition de leurs produits, qu'on soit rapide, qu'on soit à leur écoute. Donc je pense qu'ils attendent beaucoup de choses de nous et on fait tout chaque jour pour répondre à ces attentes.